Dans cette vidéo, on part à la découverte de la Serbie et ça y est, c'est le grand pas, on sort de l'Union Européenne. On va aller découvrir Belgrade, Novi Sad et des jolis coins en nature. Pour le nouvel an, on vous emmène dans une aventure et là franchement, on se demande si on va pas rester sur le bord de la route. Ça y est, on est enfin en Serbie. Et ça fait vraiment bizarre de passer la frontière comme ça, mais les vraies frontières comme avant, quoi. Où vraiment on contrôle ton identité, ton passeport, le véhicule, tout ça, tout ça. Voilà, globalement ça s'est bien passé. Voilà, le gars nous a demandé s'il pouvait regarder à l'intérieur du camping-car. Et voilà, il a passé la tête, il a fait « Ok, c'est bon, vous pouvez y aller ». Du coup, on était trop contents de pouvoir rentrer en Serbie. Ça y est, ça fait un pays de plus à notre liste. Et puis après, bah, mission trouver du poulet parce que demain c'est le chicken day. On a notre petit rituel de manger du chicken, du poulet le dimanche midi. On sait qu'elle est juste à côté du Danube. Et voilà, on ne sait pas encore ce que ça donne parce qu'on est arrivé de nuit. On verra ça demain. En tout cas, voilà, on va passer notre petit week-end ici tranquille avant d'aller visiter la prochaine ville. Et voilà l'endroit où nous sommes arrêtés pour la nuit, pour passer le dimanche tranquille. Bernard fait dodo. Ne faites pas de bruit. Regardez, j'ai pas menti. Il fait dodo, Bernard. Il a les yeux fermés, là. Aujourd'hui, on se réveille à Novi Sad et on s'est calé hier soir juste à côté de la forteresse. Donc, endroit plutôt pas mal. Il y a un peu de bruit parce qu'il y a la route juste en bas. Mais en tout cas, on va pas se plaindre puisque c'est juste pour passer la nuit. Et du coup, aujourd'hui, on va aller un petit peu regarder les illuminations à Novi Sad parce que c'est la période de Noël. Mais surtout, ça va être une mission carte SIM puisqu'en fait, on n'y avait pas du tout pensé. Mais on sort de l'espace Schengen en Serbie. Et donc, du coup, en fait, si on utilise nos réseaux, on va payer mais un max. Donc, du coup, ça va être le défi du jour, trouver une carte SIM et essayer de se faire comprendre en serbe. Donc, voilà. En tout cas, c'est une ville qui a l'air plutôt jolie, donc du coup, on va aller faire un petit tour et voir ce que ça donne. Bonsoir et bienvenue sur la forteresse de Novi Sad. Avec cette horloge qui donne l'heure, et comme vous le voyez, il est 18h24. Si, il est 18h24. Cette horloge est surnommée l'horloge ivre. Pourquoi ? Elle ne boit pas, mais parce que son système supporte mal les températures changeantes et donc se dérègle avec le froid et avec le chaud. Parfois elle avance, parfois elle recule. Et donc là, il est 18h24, mais sinon, il est 5h32. Voilà. Parti de Novi Sad, on se met sur la route pour aller voir les nombreux monastères qu'il peut y avoir en Serbie. La plupart ont vraiment une architecture très belle, mais l'intérieur est très souvent en mauvais état. Ceci dit, nous sommes tombés sur de très beaux monastères avec ces peintures murales qui sont magnifiques. C'est parti, aujourd'hui on va à Belgrade. Alors côté route, la Serbie c'est pas vraiment ça. Elles sont dans un état catastrophique, il y a des nids de poules de partout, ce qui n'est vraiment pas pour plaire à notre petit Bernard. En plus de ça, il faut dire que l'écologie c'est pas trop leur truc. Tu peux trouver vraiment des décharges sauvages partout. On était en Serbie pour la période de Noël. On est parti voir Belgrade, on a fait le selfie muséum. Tiens d'ailleurs, vous pouvez voir nos vœux pour l'année 2022 en cliquant dans le lien en haut à droite.
on a vu ces vieux tramways dans lesquels tu peux ni fumer de cigarette, ni de cigare, ni la pipe, ni même craquer une allumette. Je crois que c'est assez explicite. On est parti voir l'église Sainte-Sava. Non mais quelle beauté cette église! On n'a jamais vu une église aussi belle. Tout, absolument tout ce que vous voyez a été fait en mosaïque. On vient tout juste de terminer le musée de la Yougoslavie. C'était sympa, il n'y avait pas 350 trucs à faire non plus. Voilà, on a pu voir la maison où habitait Tito, le président. Et d'ailleurs, on a vu son tombeau. Son tombeau, ce tombeau sera votre tombeau. Et voilà, c'était cool, mais bon, c'était pas non plus dingue. Voilà, on a vu quelques trucs, on a vu beaucoup de cadeaux qui avaient été faits au président, on a vu un petit peu de l'histoire de la Yougoslavie, mais pas des masses non plus. Donc voilà, c'était cool, mais sans plus. Ça y est, c'est l'heure de Noël. On est loin de notre famille, alors on essaye de se réconforter avec une belle table de Noël. Ce soir au menu, c'est riz safrané avec crevettes flambées au rhum et salmis. Voilà le résultat, on n'est pas les produits de dressage, mais c'était trop bon. Heureusement, le Père Noël a su nous trouver, je sais vraiment pas comment il fait, mais vraiment il est trop fort. Et voilà notre petit spot pour la nuit. Putain, elle est pas belle la vie, sérieux. Merci Park4Night, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Mais je crois qu'on ferait comme tout le monde en fait, on irait au hasard et puis on trouverait des petits endroits, quoi. Mince. Vous commencez à le savoir, nos plus beaux cadeaux pendant ce voyage, ce sont vraiment les moments en contact avec la nature. Qu'est-ce qu'on aime ouvrir la porte de Bernard et voir de beaux paysages, se sentir libre d'aller où on veut, quand on veut. On adore admirer les oiseaux qui font leur petite vie tranquille. Ah, et aussi, il y a un nombre incalculable de chiens errants en Serbie. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que les parents de Marie, en fait, ils ont fait une demande spéciale au Papa Noël parce que comme on est en Serbie et que du coup, il a du mal à nous trouver, et bien du coup, le Papa Noël, il nous a trouvé un super endroit où on va pouvoir dormir ce soir et on va pouvoir se régaler. Et du coup, il nous a trouvé... Tadam ! Une petite maison sur l'eau. On va aller voir ce que ça donne à l'intérieur, comment que c'est joli. Waouh! Ah, c'est trop chouki! Oh là là, le jacuzzi! Le jacuzzi! Oh, c'est trop stylé! C'est trop beau! Hop là, petit salon d'été. C'est pas d'été, mais c'est pas grave. Elle est pas belle la vie? C'est trop beau. Ah ouais, c'est peaceful. Hein. C'est peaceful de flou. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Oh, c'est trop stylé ça, c'est trop joli. Oh là là, cette pièce. Est-ce qu'elle est belle? Oh, c'est tout cosy. Comment que c'est joli, c'est trop beau. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que vous me servez à boire s'il vous plaît? Rien encore, mais ça c'est bientôt du prosecco. Ça ne saurait tarder. La petite douche. Les toilettes. Ouh, génial. Ah, et la mezzanine. Allons-y. Oh, trop beau. Oh, c'est une tiny house tout kiki. Enfin, c'est pas une tiny house, mais c'est une petite maison, quoi. C'est
C'est trop joli. Et là, hop, tu peux voir la rivière. Il a mis des petites roses. Un petit cœur en ballon. Merci Papa Noël. Merci Papa Noël. Ce matin, on s'est fait réveiller par un militaire. Et on s'est calé ici, là, pour aller passer le nouvel an. En fait, j'ai cru qu'il était venu pour nous dire de bouger. Et en fait, clairement, il me dit, mais pourquoi vous êtes calé ici pour le nouvel an, quoi? Il me dit, vous n'avez pas trouvé de meilleur endroit et tout. Alors, je lui explique. Hier, on a conduit pendant 3 heures. On a fait du 4x4 avec Bernard. On est vraiment allé dans des endroits qui étaient hyper boueux. Il est d'ailleurs dégueulasse. Et voilà, en fait, on a roulé pendant 3 heures. On en a simplement eu marre à un moment donné. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on va aller se poser à cet endroit. Et donc, du coup, on a parlé un petit peu. Et en fait, il nous a filé des spots. Le gars était trop sympa, hyper souriant et tout. Il nous a filé des spots où on pouvait aller escalader, où forcément on allait avoir une plus jolie vue et tout ça. Donc du coup, là aujourd'hui, on va bouger le camping-car. On est le 31, mais du coup, on va aller escalader à un endroit un peu plus joli, apparemment, à 900 mètres d'altitude, où là, on pourra se garer proche des routes et tout ça. Et donc du coup, on espère que voilà, qu'on aura une plus jolie vue et que on va pouvoir se régaler. Donc j'ai juste à éteindre le gaz. Donc hop là, j'éteins le gaz. On va prendre une petite heure de route. Et puis on va essayer d'aller à un endroit un peu plus sympa. C'est parti! Alors c'est drôle parce que sur la vidéo, la route a l'air tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je vous assure que c'était le flip total. Boue, énorme trou, neige parfois, patinage. Bernard se prenait des impacts de ouf. Moi, je tenais fermement le volant et Marie espérait juste qu'on n'ait pas à faire demi-tour parce que ça voulait dire qu'il fallait faire marche arrière. Bon, c'est un peu... On fait un peu du 4x4 là. On serre les fesses. Par moment, on serre les fesses quand on est dans une grosse montée, qu'il y a de la gadoue, qu'il y a des gros cailloux. Sur le côté, il y a un peu parfois des éboulis. Il y a la neige, ça a été déneigé, mais du coup c'est plein de gadoue. Enfin bref, voilà, c'est l'aventure, on ne sait pas quand on arrive. Il nous reste encore 8 km, 17 minutes, mais plus que 17 minutes. Voilà. De traverser ça. Bon, là on vient de faire une montée très très boueuse, donc on a bien serré les fesses. Mais là on vient de traverser ça, donc ça fait un petit lac gelé. Traverse la route et qui tombe en dessous. Voilà. J'ai eu un peu peur. Mais tout va bien. Bernard est là. Petit truc drôle, c'est qu'en fait, il y avait une route comme ça pour arriver jusqu'à là. Voilà. Mais ça, on ne le savait pas encore, on s'en est rendu compte après. Merci Google Maps en Serbie qui marche pas trop, quoi. Qui nous fait passer par des trucs. Particulier. Voilà, après, il y avait une belle route comme ça. Lui, il a calculé plus court. Voilà, il a dit plus court, c'est par là. Bon, tu vas en chier, mon loulou. Mais voilà. Est-ce que c'était le plus court du coup? Parce que. D'après lui, à mon avis, oui. Oui, en kilomètres, mais avec le temps qu'on a mis. Et, je sais pas. Ouais. Ça y est, on est arrivé enfin en haut de ce long chemin. Et ouais, c'était énorme de prendre ce chemin. Il y avait beaucoup de boue, mais c'était très très joli en fait. Et par contre, c'était vraiment le chemin de traverse, quoi. C'était, il y avait de la boue, il y avait de la neige, il y avait de la flotte. Nous, on est en camping-car avec 3,5 tonnes sur nous. Et du coup, c'était vraiment... Il y a des moments où on serrait des fesses, un truc de fou, parce qu'on se demandait si on n'allait pas rester bloqué. Et franchement, c'était génial. Moi, j'ai adoré. On a adoré parce que c'est l'aventure, quoi. En fait, tu sais pas si tu vas arriver jusqu'en haut du chemin, tu sais pas si tu vas pas rester bloqué. Bon, si tu restes bloqué, c'est un peu moins drôle, mais en même temps, ça fait partie du game, quoi. C'est ce qui est plus plaisant, je trouve, que toujours prendre les mêmes chemins touristiques, toujours aller là où tout le monde va. Bernard est dans un état catastrophique. Carrément, il a pris de la boue partout, il en a jusque dans les passages de roues, sur tous les côtés et tout, c'est un truc de ouf. Mais bon, il est là, il a fait son taf. Et en fait, c'était très drôle parce que
quand on était dans certaines montées, à un moment donné, on patinait de ouf. Heureusement, on avait les pneus neige, mais on patinait de ouf. Et en fait, comme le camping-car, il faisait un petit peu comme ça, parce que bah, il y avait des bosses et tout ça, bah, les moments où on était un peu relevé, on patinait. Et les moments où il se rappuyait un peu, parce que la majorité du poids est à l'arrière, et ben, tac, on réadhérait, tac, on partait. Il y avait des moments où on était en freeride pendant, je sais pas, quelques secondes. Et après, on réadhérait, bam, on repartait. Et du coup, c'était vraiment génial. On s'est régalé. Et tout ça pour arriver à un sublime endroit. Merci, monsieur le militaire, parce que franchement, ça régale. Par rapport à l'endroit où on était posé tout à l'heure, franchement, ça n'a rien à voir. On va aller se balader un petit peu dans les prochains jours. On va vous montrer tout ça. Mais en tout cas, là, on est posé pour faire le jour de l'an. Le petit Bernard, il est au top. Nous aussi, on est au top, franchement. Ça fait trop plaisir et au moins ça c'est un endroit qui sort des sentiers battus quoi. Aujourd'hui, on vient de partir de notre petit Airbnb. On s'était pris un Airbnb pour quoi ? Galère. Hein ? Le Airbnb de la galère. Ouais, c'est clair. C'était le Airbnb de la galère, quoi. Parce qu'on n'a pas eu d'électricité toute la nuit. Ce matin, on s'est réveillé, il n'y avait plus d'électricité. Enfin bref. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau aussi. Génial. Mais voilà, de temps en temps on se prend un petit Airbnb, comme ça ça nous permet aussi de faire les lessives et tout. Et comme en fait bah, la laverie ça revient un peu au même prix quoi. Du coup on en profite, on se prend un petit Airbnb de temps en temps. Et voilà, et du coup on est allé à la ville la plus proche. Et À Niche. Et du coup on a trouvé un endroit pour faire le test antigénique. Et du coup on s'est dit que bah, ça serait cool qu'on se casse de la Serbie aujourd'hui. Parce que voilà, la Serbie c'est clairement pas notre coup de cœur. Notre coup de cœur. Voilà, il n'y a pas grand chose qui s'est passé comme prévu en Serbie. On a aussi visité des spots qui étaient sympas, mais sans plus quoi. C'était pas voilà, c'était pas ouf. On a quand même passé des bons moments, on est allé au resto, on a profité, on a fêté Noël et tout en Serbie, à Belgrade. Donc c'était cool, mais voilà. Là, on se dit que c'est le moment de partir et si on part aujourd'hui, c'est pas plus mal. Donc du coup, on va se dire... Donc du coup, on va... Donc, on se dirige vers la Macédoine. On va aller en Macédoine aujourd'hui et on va passer la frontière bah, tout à l'heure, là, d'ici 3 heures. Donc voilà quoi, en espérant que ben, on kiffe un peu plus la Macédoine. On est en train de traverser la frontière entre la Serbie et la Macédoine. C'est très bizarre. La route est entourée de grillages et de barbelés. On ne sait pas trop où on va. On s'attendait à un simple poste frontière, mais alors là... On s'attendait pas à ça. Il y a des caméras partout. Il y a des haut-parleurs. C'est quoi ce délire? On va à l'abattoir les gars. C'est très bizarre. Par des frontières. Donc, ils nous ont dit de les suivre. Donc on les suit. On est en train de suivre les policiers.